Les politiques de 8h30, comme chaque matin sur France Info, la radio, mais aussi la télé, canal 27 de la TNT. Notre invité aujourd'hui, Eric Coquerel, donc député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est Neïla Latrousse qui va vous poser la première question. Bonjour, Neïla. Bonjour, Julien. Bonjour, Eric Coquerel. Bonjour. Emmanuel Macron qui joue l'international pour cette rentrée. Vladimir Poutine, hier soir au fort de Brégançon avec cette conférence de presse commune des deux chefs de l'État et cette passe d'armes qu'on va écouter. Je suis invité par le président français. Je suis mal à l'aise en le disant. Mais vous savez tous que pendant les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu plusieurs dizaines de personnes qui ont été blessées. Des policiers blessés aussi. Et on ne veut pas du tout que des événements pareils se passent dans la capitale russe. En France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison. Ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Ce qu'on appelle les Gilets jaunes, ils ont été librement aux élections européennes, puis ils iront aux élections municipales, et c'est très bien comme ça. Comparaison n'est pas raison entre la France et la Russie Enfin bon, c'était de bonne guerre. C'était attendu qu'à partir du moment où Emmanuel Macron comptait parler des, des libertés démocratiques en Russie, Vladimir Poutine lui parle de la manière dont a été réprimé le mouvement des Gilets jaunes. Euh, comparaison, en termes de graduation, non. Parce qu'effectivement, euh, on n'interdit pas ici les opposants de se présenter à des élections. Euh, par contre, euh, si on prend... Euh euh, un peu cette, cette, cette façon dont les régimes libéraux aujourd'hui, que ce soit la Russie, je vous rappelle, qui est un régime libéral, ou la France, à un moment donné, manie l'autoritarisme pour faire face à ses opposants. Je trouve qu'il y a une logique comparable. Je trouve que ce qui s'est passé en France depuis un an, vis-à-vis -vis des Gilets jaunes, vis-à-vis -vis des syndicalistes, vis-à-vis euh, -vis des écologistes, et même y compris des opposants politiques, dans l'utilisation de la police et la justice, pose problème. La France n'a pas de leçon à, à... donner. La France n'a pas de leçon à donner, je trouve, de ce fait à la Russie. Mais c'est pas le plus important. En me semble-t-il. Moi, j'ai salué le fait qu'on voit qu'il y ait une rencontre Macron-Poutine, parce que je préfère quand même un peu ça au fait d'être aligné en permanence derrière, derrière Monsieur Trump, mais on voit bien que, euh, à travers cet échange, ce qui, ce qui est sorti aussi, malheureusement, du fait de l'atlantisme structurel euh, de, de Emmanuel Macron et de la France, ben finalement, on pèse peu dans la situation, dans la réalité, et c'est un peu ce qui illustre cet échange. C'est de la communication. On se fait pas de Gaulle en, en un clin d'œil. Quand d'un autre côté, en réalité, on est aligné derrière les États-Unis d'Amérique. Est-ce qu'Emmanuel Macron a raison de se rendre le 9 mai prochain à Moscou C'est une très bonne chose pour les célébrations. Ça, c'est une très bonne chose. Euh, ouais. C'est le point positif de cette rencontre. Pourquoi Parce que. Pourquoi oui. bah parce qu'il faut se rappeler un petit peu que s'il n'y avait pas eu la bataille de Stalingrad, euh, aujourd'hui, euh, peut-être que l'avenir de l'humanité aurait été différent. C'est-à-dire que les Russes ont largement contribué euh, à la victoire contre l'Allemagne nazie. Et c'est vrai que moi, je, je, suis, je suis totalement pour les cérémonies vis-à-vis -vis du débarquement américain, enfin des alliés sur les plages normandes. Mais d'un autre côté, on oublie un peu trop souvent l'autre côté, c'est-à-dire que les, 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 les Allemands ont eu leur première défaite frontale en Russie et les bon, Russes ont gratitude. payé cher. Donc, je trouve ça bien qu'à un moment donné, on le, on, on le rappelle. François Hollande n'y était pas allé, notamment en raison hein, du conflit en Ukraine. Il avait eu tort. Oui, bien sûr qu'il avait eu tort. Oui. Je crois que euh, il faudrait, mais encore une fois, malheureusement, je je crains que la, la politique de fond de, de la France ne change pas de ce point de vue-là, et le sommet du G7, à mon avis, le montrera. Euh, je, je crois qu'il faudrait se rappeler que la Russie n'est pas notre adversaire. Elle est peut-être de M. Trump, j'en sais rien, par rapport à des intérêts économiques, euh, géostratégiques américains, mais elle n'est pas notre adversaire. Quoi qu'on pense, euh, j'allais dire, du régime de M. Poutine, y compris d'un point de vue économique, je rappelle, c'est un régime libéral, d'accord Eh bien, euh, économiquement, ne se porte pas très bien. Faut... Hein, non, mais il faut considérer que la Russie est un partenaire. Euh, à qui on peut dire certainement certaines choses, mais aussi euh, dont on ne doit pas considérer que c'est notre ennemi. Aujourd'hui, le danger dans le monde, la paix dans le monde, elle est plus menacée par Monsieur Trump que par Monsieur Poutine. Je n'hésite pas à le dire. Mais il faut réintégrer la Russie, euh, oui, faire un G8. Oui, mais je crois non, non. D'abord, les, les Russes ne le veulent pas. Vous savez, nous on est contre le G7. D'accord, c'est l'espèce de d'alliance des, des, des pays qui produisent les deux tiers des richesses mondiales, euh, de manière comme ça, qui se réunissent. Pourquoi faire est-ce qu'ils vont régler la question du climat Non. Est-ce qu'ils vont régler la question des inégalités Non. Est-ce qu'ils vont est même le régler du, le G7 fait 7, que deux de ces pays, l'Italie et les États-Unis, soient demis par l'extrême droite Non. Donc, nous, pour nous, le G7, euh, c'est juste la réunion des, des plus grandes puissances capitalistes, et on ne voit pas d'intérêt. Pour nous, c'est l'ONU qui doit gérer euh, et qui doit être le centre des questions de droit ça euh, ça veut, international. Ça veut dire que vous ne croyez pas du tout que ce G7, dont le thème est la lutte contre les inégalités, parvienne <laughs> à, à une quelconque euh, conclusion Vous avez vu l'explosion le, des dividendes en France, là, qui vient d'enregistrer de au deuxième trimestre trimestre 2019, le moins qu'on puisse dire, c'est que les inégalités continuent à croître, les politiques libérales continuent à croître et les politiques euh, éco écocide, j'allais dire, continuent à croître avec euh, en tête de pont Monsieur Trump. Donc, j'y crois pas du tout et je crois que euh, les, on a raison de manifester. C'est d'ailleurs pour ça que je serai au contre-sommet du G7 à partir de ce soir. Alors justement, ça se passe du côté d'Andaï, côté français, à Irun, côté espagnol. Vous allez animer une, une table ronde. De quoi s'agit-il quelle est finalement la, la finalité de ce rassemblement enfin, Je vais participer avec les organisateurs que sont Attaque, Oxfam d'autres associations, avec euh, David Cormand, Europe Écologie, Besançon, Besancenot il y trouvait euh, Bah ça sert à, je, par exemple le débat que j'aurai je, je, demain à oui. 11h, ça sert à dire quel projet face au capitalisme, quel projet face à, à cette mondialisation libérale, ce, ce libre-échange qui met à mal la planète et euh, parce qu'on ne peut pas juste se contenter d'être une opposition, y compris d'avoir des problèmes de gouvernement, il faut à un moment donné avoir un un projet, j'allais dire, pour l'avenir. Donc, on va discuter de ça. Voilà, c'est aussi ça le contre-sommet, montrer que il faut un autre avenir pour l'humanité que. Ce capitalisme débridé que nous subissons tous. Mais est-ce que ça a encore du sens l'altermondialisme dans un monde traversé par des tentations protectionnistes ah, bah Plus que jamais, vous avez une autre solution que les États-Unis de mettent des barrières à l'entrée, la oui, Chine aussi. Mais vous avez une autre solution que le fait que les organisations progressistes, que ça soit associations, syndicats, euh, mouvements politiques, échangent pour justement essayer de, à la fois résister et essayer de proposer un autre avenir. Moi, je j'en connais pas d'autres. On peut, on peut être euh, pessimiste. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, si je regarde le nombre de, 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 de crises le nombre d'urgences, le nombre de périls devant nous, on peut l'être, que ce soit pour la paix, l'écologie, euh, la question sociale, mais n'empêche, c'est la seule solution de continuer justement à essayer d'avoir des relations internationales, de faire de l'internationalisme, tout, tout bêtement, voilà, pour pour contrer euh, cette espèce d'explosion capitaliste qui nous met en danger. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis et l'invité de France Info ce matin. Vous restez bien sûr avec nous. On revient dans un instant après le rappel de l'info, 8h40. C'est avec Lauriane Delanoé. Entre 370 et 400 euros pour payer le cartable, la calculatrice et les autres fournitures scolaires. L'allocation de rentrée versée aujourd'hui à 3 millions de familles aux revenus modestes, montant légèrement revalorisé cette année, mais moins que l'inflation, ce que dénonce sur France Info notamment la Confédération syndicale des familles et la FCPE, la fédération de parents d'élèves. Un pompier agressé cette nuit dans les Deux-Sèvres, frappé au visage par un homme alcoolisé alors qu'il intervenait pour étendre l'incendie d'une maison. Sur terre, en mer, dans les airs, 12 000 policiers et gendarmes déployés au sommet du G7 à Biarritz en fin de semaine. Des moyens exceptionnels, d'après nos informations France Info. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, se rend sur place dès cet après-midi. Le président du Conseil italien va-t-il démissionner aujourd'hui, Giuseppe Conte, devant le Sénat cet après-midi pour parler de la crise politique, la fin de la coalition décidée par le ministre Matteo Salvini. Près de 10 000 hectares de forêt. Est ravagé en trois jours. L'incendie sur l'île de Grande Canarie en Espagne n'est toujours pas maîtrisé. Des centaines de pompiers toujours mobilisés ce matin. France Info. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, l'invité de France Info ce matin. Lauriane Delannoy vient d'en parler. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner est attendu à Biarritz où 12 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour la sécurité. Est-ce que c'est trop Écoutez, euh... C'est surtout ce qu'on en fait qui va poser la question. Jusqu'à maintenant, je le disais tout à l'heure, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on connaît quand même une forme de répression assez inquiétante, souvent. Totalement disproportionné par rapport à ce qui se passe dans la rue. Bon, moi, ce que j'espère, c'est que ce week-end, parce que c'est le plus efficace, les choses se fassent, passent de la manière la plus pacifique possible à travers des débats, des manifestations. Voilà, c'est la seule chose que je peux commenter. Vous allez participer à une manifestation hein, samedi euh, Non, samedi, je serai parce que je vais donc à Andailles. Vous le savez, nos, nos amphithéâtres, notre université d'été de France insoumise commence à Toulouse jeudi, donc je me rendrai jeudi. Euh, mais euh, on sera tout cœur avec les manifestants, on les soutient. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fragilisé depuis quelques semaines sur fond de polémique. Est-ce qu'il joue son poste ce week-end Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, oui, il est fragilisé. Ce n'est pas tant les questions... Je ne sais pas si vous entendez par polémique. Moi, ce qui me pose problème le plus, chez Monsieur Castaner, c'est le fait que y a, euh, des ça a été dit. Il y a des blessés chez les Gilets Jaunes, euh, beaucoup trop nombreux, des arrestations préventives, des gardes à vue euh, qui, sont, qui, sont, euh, euh, qui ne sont pas acceptables parce y euh, a sans, sans fondement. Euh, la question de la disparition de Steve, enfin, euh, euh, et là-dessus, Monsieur Castaner est toujours en poste. Donc, ça montre que un ministre de l'Intérieur, c'est quelqu'un qui garantit la paix publique. Mais justement, pas des, dérapages ce, la des justement. dérapages ce week Des dérapages ce week-end, ça, ça vaudrait. Ça remettrait sur le. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de dérapage et j'espère également qu'il n'y aura pas de. de blessés graves, quel que soit le côté, je dirais, du côté policier, mais aussi du côté manifestant. C'est vrai que ça fait maintenant des mois et des mois que la manière dont sont utilisées les forces de police dans ce pays pour protéger en réalité une politique qui est affaiblie pose question et ça pose question d'ailleurs, y compris à l'ONU, à pas mal d'organismes internationaux. Voilà, je peux. je, je, je n'ai pas de prise sur la situation, je, je peux espérer juste. C'est ça de côté. Voilà, et je sais que les, les organisateurs du contre-sommet appellent justement à des manifestations pacifiques. C'est ce qui est le plus efficace. Regardez ce qui se passe en Algérie. Le, le, le plus efficace, c'est quand vous avez un million de personnes dans la rue, que les que les enfants, que euh, les familles peuvent y aller. C'est ça qui met en péril à un moment donné un système. Éric Coquerel, vous faites partie de ceux qui réclament un référendum sur la privatisation d'aéroports de Paris. Un peu moins de 700 000 signatures ont été récoltées. C'est assez loin de ce qu'il est nécessaire d'avoir pour organiser ce référendum. Pour parvenir à obtenir toutes ces signatures, Florian Philippot, président des Patriotes, qui était notre invité sur France Info il y a quelques jours, a une idée. On l'écoute. Moi je vais proposer, je vais écrire, ce sera plus simple, à tous les responsables de, de partis politiques qui défendent, comme les patriotes, euh, ce référendum et la, le refus de la privatisation d'ADP. Je vais écrire à ces chefs de parti, je vais écrire, de toute tendance évidemment, je vais écrire à, également à des gilets jaunes, à des intellectuels qui se battent, hein, souverainistes, et puis j'aimerais qu'on puisse faire ensemble un grand meeting commun de rentrée, vous voyez, euh, un grand meeting commun transpartisan. C'est utopique, Eric. Cochrane. Non, mais euh, il se réveille un peu tard, parce que le meeting commun transpartisan l'a fait il y a quelques semaines, le premier à Saint-Denis, avec euh, tous les signataires de tous les groupes qui ont soutenu euh, justement cette loi référendaire. À euh, euh, l'exclusion du Rassemblement national, on précise. À oui, oui, d'abord parce qu'on les a peu vus hein, en dans la bataille. Ils parlent comme ça, mais dans l'Assemblée, on les voit peu, hein. je, je, je tiens à le dire à vos, à vos, à vos auditeurs. Euh, donc euh, voilà, ça ne nous, ça nous embarrasse pas de pas les avoir avec nous, mais toutes les autres forces démocratiques sont là, opposées à D.P. Dimanche, j'anime le, le, le dernier meeting de notre université d'été avec un certain nombre de ses débutés, plus des syndicalistes, des associations comme ATTAC, pour un grand meeting de rentrée justement sur la question de la Il y en aura d'autres dans le même esprit. Et c'est clair que vous disiez, parce que c'est ça le plus important presque 700 000. Bon, très franchement, on savait que cet été, il y aurait un reflux. Pourquoi? Parce que le gouvernement ne fait rien en matière d'information, donc c'est les forces militantes sur lesquelles on peut compter, et que, comme chacune, ah, bah, c'est pas elles le gouvernement, un, qui ont le d'un... Euh... Non, mais d'accord, mais, sauf que c'est, je vous rappelle que le grand débat national n'avait rien d'officiel, et pourtant, sur toutes les télés, la communication, tous les sites officiels des ministères, on, on parlait du grand débat. Là, nous, la loi référendaire, c'est un droit. D'accord, c'est pas juste, c'est pas oui. une pétition citoyenne. C'est-à-dire que nous l'avons obtenue et on pourrait estimer à minima, qui est euh, d'un point de vue civique, quelques informations pour rappeler, par exemple, la date euh, de clôture, c'est-à-dire en mars de cette pétition, pour rappeler qu'il y a des mairies ouvertes dans lesquelles les gens ne le sont euh, pas l'habitude d'attendre le ministère peu. de l'Intérieur. Il a mis je ne sais pas combien de temps à démarrer. Enfin bon, je pense ouais. qu'il y a un problème. Il faudra surtout qu'on compte sur nous-mêmes, on le sait, et c'est vrai que. Il importe que dès cette rentrée, on remette l'accélérateur. Je pense qu'on peut obtenir 4,7 millions de signatures pour avoir le droit à cette pétition, parce que je suis certain qu'il y a une grande majorité des Français qui refusent la privatisation d'ADP. Et du coup, comment? Avec des, il y aura des stands aux universités d'été? Il y aura... tous les meetings possibles. Donc, l'université d'été, on va aller, on va aller faire des, y compris des actions dans Toulouse. On va, à la rentrée, il y a d'autres meetings qui sont prévus. Toutes les forces s'invitent les unes et les autres. Voilà. Bah, et puis surtout, c'est localement que ça va se passer. Il faut que nos militants se mobilisent dans des comités les plus larges possibles euh, et euh, faire en sorte d'aller faire signer cette pétition. En gros, il faut qu'on redémarque, on ait rapidement un million de signatures. Et à partir de là, je pense qu'il y a un choc psychologique qui peut se créer et que les gens se disent bah, « On peut y arriver, allons-y, euh, euh, luttons contre cette privatisation. » Comment va la France insoumise en cette rentrée, Eric Coquerel Bien, regardez. En <laughs> convalescence Non, non. Du non, je me sens pas en convalescence. Non, non, mais le euh, mouvement. Froid. Non, oui, j'ai compris. Euh, non, non, mais ça va. je France insoumise, On a eu. On l'a dit. On a. On a, on a on, les Européennes n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Bon, n'empêche, maintenant, on a quand même un groupe à l'Assemblée d'accord Un mouvement qui n'existait pas il y a deux ans. On a six députés européens dont, c'est une première pour nous, la co du groupe que nous animons avec Manon Aubry au Parlement européen. Nous préparons des, des universités d'été, je crois qu'on a 130 ateliers et débats, plus les meetings dont je viens de vous parler de clôture dimanche, euh, et puis des centaines de milliers de personnes qui continuent à se mobiliser dans le pays. Donc on, on est prêt, j'allais dire, à la bagarre sociale, pacifique, euh, parce qu'il va y avoir du, 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 tra, du travail euh, dès la rentrée, euh, les urgentistes qui continuent à se mobiliser, les pompiers qui se mobilisent euh, contre les retraites. Donc, nous, on va être prêts à ça. Et puis, évidemment, les batailles aussi électorales euh, pour montrer que nous restons et nous sommes une alternative pour la Alors, suite. Alors, justement, pour les municipales, c'est quoi votre ambition vous, vous allez y aller tout seul Ça va se passer comment Nous, on a, on a fait une proposition sur la table, je vous rappelle. Hein. Jean-Luc Mélenchon, pour la campagne, ça, les gens l'ont peut-être pas beaucoup entendu, mais c'était la fédération populaire. C'est-à-dire l'idée que c'est pas des cartels de partis, c'est pas euh, un retour à je ne sais quelle union de la gauche euh, qui, qui, qui réglerait les point du passé qui, qui doit être mis sur la table mais justement le fait que euh, à travers des des de l'implication citoyenne parce qu'elle nous semble fondamentale toutes les forces qui le souhaitent soient capables de soutenir des listes de ce type moi c'est ce que on nous allons essayer de faire pour construire une construction on laisse faire au local pas de consigne national c'est au local à Toulouse à Montpellier non à les, consignes les consignes nationales les consignes nationaux c'est justement au maximum de faire en sorte que les citoyens s'emparent du pouvoir local c'est-à-dire qu'il y ait des listes qui reflètent un peu tout ce qui se passe sur le terrain en général d'ailleurs il y a la vie politique, puis il y a ce qui se passe sur le terrain, les associations qui luttent pour pour beaucoup de sujets, que ce soit de, de, de social ou la question d'égalité, la question de solidarité avec les migrants. Enfin, Il y a, il y a, il y a les questions écologiques, il y a, il y a tout un tas d'organisations. Donc, biologique. on voudrait que ces gens-là s'emparent, j'allais dire, dans dans l'idée de la sixième République que nous avons, que nous puissions le préfigurer, que les gens dirigent les mairies. Donc, on va susciter appuyer, mobiliser toutes les listes citoyennes possibles, sur évidemment des bases de, de rupture avec les politiques d'austérité, les politiques euh, productivistes et toutes les forces. Qui, qui, veulent ce, ce de, 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 euh, qui veulent ce type de qui veulent ce type d'alliance seront les bienvenus mais et donc on travaille avec on eux. On entend tous ces oui, appels. En mais septembre, en, bah déjà ça a commencé dans pas mal de villes. En septembre, nous allons avoir des assemblées générales qui vont décider localement de, de, dans les détails de la stratégie, de la tactique à suivre, également avec des chefs de file. Mais vraiment, encore une fois, ce qui nous semble important, c'est à certains endroits, notamment dans les villes populaires que, sur lesquelles dont nous sommes pour la plupart les députés, nous soyons capables de montrer que nous sommes des alternatives à commencer par le local pour ces élections, pour aller progressivement vers le, le national à travers euh, euh, les années à venir. Merci beaucoup Éric Coquerel, député de La France Insoumise de Seine-Saint-Denis d'avoir été l'invité de France Info ce matin 8h50. Tout de suite un rappel.